Et on se retrouve donc là où on n'a pas bougé par rapport à l'épisode 2 sur la chronique d'âme 13, pour qui donner sa vie. Une fois arrivé en Europe, nos héros se dirigent vers Athènes, en Grèce, alors qu'ils profitaient de l'atmosphère de la ville qu'Illic rencontra une fois. Ça sent Sophie, tu vois. Là-dessus, je cache ma tête. Allez, hop. Et on va voir tout de suite si c'est bien ça. Mais de toute façon, Grèce, ça peut être que. Puisque Cassandra était tirée. Voilà. Yes, is something the matter? No. It's just you look a little sad. Oh. Pardon me, but are you a traveler? Well, you T'as déjà vu un Chinois en Italie ou en Grèce? I mean, I am from this town. I came to this shrine to pray before embarking on my journey. Yes. I was too. I fought for the longest time. It is why I can never simply pass by someone with his fo There is something I must do. When you find a reason to fight, you find a reason to punish yourself. I was the same. There are some things we are powerless to do anything about. People speak of fate, but I wonder if there is worth. I feel so uncertain. The darkness of the soul can be troubling. It's always with me, like a real shadow, dark and unshaken. Yet all is not lost. I can't just forget the past in order to save myself. It is no bad thing to keep hold of the past. Those dear to you will always be in your memories. Still, the past is the past. If you there are those you need to protect in the here and now. So, you should listen to me babbling on. I have to go. Are you okay? Yes. Pain, I shall pray for your safety. As will I. Il n'y a pas de temple chinois à Athènes. Tout cas, pas au 16e mois, si on a aujourd'hui. Ouais. Oh. Illic et son équipe partirent en direction d'Austreinsbourg et avant de s'en rendre compte, ils étaient perdus au milieu d'une prairie. L'atmosphère étrange les entourait et les plongea dans la confusion. Confucius, non, pardon. Oula. Désolé, je regardais un peu les stats de mon PC. Oh mon Dieu! Qui nous attaque? What the hell? Ah, t'as qui? Ouais, on va jouer Tchanga. Ouais. Allez. Songa contre Taki.
Merde. Je peux pas perdre là-dessus, putain. Ce serait dégueulasse de perdre là-dessus. Wow. Et voilà. Victory. Huh? There's something strange about that. How do you like this? Boom! What? What's wrong? Had enough? So you controlled the evil yourself. Just take soul edge is more the instant you give yourself over to your you've been wolf. There's no escape from a ninja with the Are you okay, Killick? Yeah. I knew pursuing soul edge would be no easy task. Oh là là, se laisser posséder. C'est pas joli, joli tout ça. Alors, Orstrensbourg, qui devait être le lieu de l'affrontement final, était enfin vu, peu importe ce que le destin leur réservait, il était trop tard pour rebrousser chemin. Se préparant mentalement, Killick prévara dans la forêt qui entourait, se pénétra putain dans la forêt qui entourait le château abandonné. Château abandonné. Bah, il est revenu. I just don't want to deal with any more freaks. One lizard's enough. Speak of the devil. Maxie, don't do anything rash. What the heck are you both doing? Maxie est revenu, ok, au calme, normal. Merde. Ah, c'était vraiment mesquin, et d'abord, qui es-tu? Ivy. Are you Ivy? You want to fight? Don't you really? Let's see if you really do have it. You're no man. Chango contre Ivy. Ah, je savais qu'il y avait Ivy qui est quand même pas mal d'allonge aussi. Je l'avais zappé celle-là. Avec son épée fouet. He like this? I can hold my own when I need. Chavoy, are you okay? I'd say that was enough. I have fulfilled my duty. If you want to pursue nightmare, I don't care. Okay. Changhua, you can't go on. No need to sweat. We're almost to the castle. Non mais d'accord, oui, là oui, pourquoi pas. C'est même pas marrant du coup. La forêt regorgeait de pièges pour repousser les envahisseurs, alors que les trios avançaient à travers les arbres, le destin plaça sur le chemin un géant armé d'une hache. Le retour d'Astaroth. Maxi contre Astaroth. Allez, c'est parti.
isn't this just peachy? What sort of idiot? Leave him to me. I've been looking forward to... What's this? La grue. Non, mais on va même pas faire le combat, c'est dégueulasse. Ah, si. J'avais peur qu'on fasse pas le combat, putain. Trop lent à tous les coups. Oh non, c'est bon, c'est passé. La vache. Là, il y a des fois, ça enlève un tiers, un quart de la vie. Il y a des fois, ça enlève tellement rien. Et voilà, on l'attendait tous. Parfait qui m'échappe, putain. T'allais quand même pas me voler la game. Hein. Saloperie. Prend un coup de hache dans le dos, il n'est pas mort. Ok, au calme. Ah bah si. Faut pas déconner. Coup de hache dans le dos. Chronique d'âme 17, sans issue, mené par un homme vêtu de noir qui lit Kelsang et Xianghua, pénètre dans le château d'Orstrange pour. L'homme qui les guidait marchait d'un pas sûr, comme s'il connaissait bien le château. Agre-greu. Agre-gros. Get a hold of yourselves. Her leg. If you cannot fight, you'll... I'm fine. Just... Where are we? Sorry, but I have to attend. The rest is up to you. Ok, comme ça, au calme. Xianghua, you should stay here. Never. I can't turn away now. Let's do this. Ok. D'accord, pourquoi pas, hein. Je suis handicapé d'une jambe, mais je peux quand même combattre.
Donc moi, qu'il nous faut pas combattre avec un handicap de points de vie, ça me va. Hein. Même si ce serait plus logique, oh, une cinématique. Allez, contre Nightmare ou Siegfried. Siegfried, yeah. Oh putain. De violence. Oh la chope. Ah merde. Trop loin à tous les coups. Non, c'est passé. Ah putain. Ah putain de salaud. Et le chat qui finit, comme tout à l'heure. Même si ça s'est mieux passé sur ce round-là. Il était plus inactif. Et j'ai du mal à comprendre un peu le fonctionnement du... Ah putain, je l'ai lâché trop tard. De l'ordi. Merde, trop tôt. Ah merde. Ah. Ah putain. Ton impact de garde ne passe pas à travers ça. Voilà. C'était pas gagné. Et malheureusement,
Je vais devoir vous laisser là. Et oui, parce que en fait, niveau temps, j'ai plus beaucoup de temps sur cette session-là, je suis attendu. Du coup, je vais vous laisser, on va revenir à la chronologie pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Ah ouais! Donc là, on est en Espagne, puis on part en Chine. J'en avance. Tibet. Inde. Inde. Moyen-Orient. Même péninsule arabique. Nord de l'Afrique. Grèce. Ouais, d'accord. Grèce. Là, on est un peu plus haut, on doit être vers la Croatie, pas très loin. Autriche. Donc voilà, là-dessus, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la suite. À ciao, bye bye!